Salut à toutes et à tous, c'est Sandive 666 alias Metal Freak et on se retrouve donc sur MechWarrior Online sur la carte Canyon Network. Et aujourd'hui donc sortie des hangars de l'Atlas RS disponible gratuitement pour le moment. Voilà, donc on va voir que c'est quand même quelque chose d'autre. Par rapport au spider et ou au catapulte, ne serait-ce que par la vitesse. Donc là, on attend que tout le monde soit ready et on y va. Ouais, le petit bouton ready, allez, hop, David de 1915 là. On se dépêche. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Bon, bah, il n'a pas l'air pressé de se mettre ready, le coco lapin. Donc, l'Atlas qui est armé donc d'un Gauss, de 2 LRM15 et de 4 médium laser et qui avance à 57 km/h. 57 km/h, donc super lent mais super résistant. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Voilà, donc ça y est, David de 1915 s'est décidé à appuyer sur le bouton ready. Et nous, on va pouvoir y aller. Alors, donc, je disais 4 médiums laser. Là, en voilà un Gauss et 2 LRM15 équipés d'Artemis. Ah oui, accessoirement, il y a aussi un système antimissile. Voilà, c'est parti. Là, on va suivre la petite colonie. Donc là, vous voyez, tout de suite, on avance beaucoup moins vite qu'avec le Spider, n'est-ce pas? Chacun fait ses petits essais de tir. Et donc là, je vais suivre la mêlée. Hein. Je vais suivre tout ce petit monde. Sacrée colonie d'Atlas. Pour ce coup-ci, autant l'autre fois c'était des Spiders en folie, autant cette fois-ci ce sont plutôt des Atlas en folie. Alors a priori, il y avait des joueurs qui espéraient tomber ensemble sur la partie. Et pas de chance, ils sont pas ensemble. Alors là, j'ai vu qu'il y en avait un qui commençait à monter, j'ai voulu suivre. Et il est redescendu, je suis redescendu aussi, puis j'ai continué à suivre l'ensemble du groupe. Voilà, déjà là, le petit A, un Jagger mec repéré sur la gauche. Et là, tout le monde se met plus ou moins en position. Bon, alors là, j'hésite. Je m'interroge et je crois que je vais continuer tout droit là où il y a tout le reste du groupe qui se dirige plutôt que de monter sur la gauche. Alors, le problème c'est qu'il va y avoir un léger embouteillage, forcément avec des gros tas comme les nôtres. Ben forcément, hop. Enfin, moi j'utilise mes LRM, j'en profite et la base under attack, très bonne nouvelle dès le début de la partie. Il faut bien l'avouer, je dirais même inespéré. Il n'y a plus qu'à supposer que quelques mecs vont réussir à faire demi-tour, ce qui va être le cas de toute façon. Sinon, j'aurais pas posté la vidéo parce que sinon, on n'aurait rien de bien intéressant à faire. Voilà, donc là, je tire dans les rochers, hein, comme à l'habitude. Voilà, je continue à tirer dans les rochers. Et là, je tire dans le muromètre. Hein, voilà. Alors, par contre, j'ai pas tiré au bout. Voilà, et je l'ai perdu, forcément. Ça, c'est typique. New target acquired. Un petit malin qui se planque sur le côté. M2. Voilà, bonjour. Le grand n'importe quoi au laser. Voilà, moi je continue à tirer là-bas. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'il faut que je fasse demi-tour et que le problème c'est qu'un Atlas, pour faire demi-tour, il lui faut de la place et du temps.
et que au milieu de la mêlée c'est plutôt pas possible. Voilà, donc du coup un gros demi-tour. Pendant ce temps-là, ça canarde à fond les ballons. Et moi, moi j'étais stack avec mon voisin. New Je me target retrouve acquired. comme deux ronds de flanc. Voilà, un tir de gousse dans le rocher. Voilà, alors le gousse, pas très pratique à utiliser, je trouve, parce qu'il New y a target un temps de acquired. charge. Quand on tire, en fait, il y a un temps où l'arme se charge et il faut vraiment tirer dans la seconde où l'arme est chargée, sinon ça New target décharge. acquired. Voilà, hop là, dans sa gueule. Je peux me permettre un gros atlas. Target Alors les acquired. lasers, voilà. Là je shoote même mon pote parce que je suis sympa et je partage. Voilà, et là il va encore se prendre un petit tir de gousse. Alors les lasers sont montés sur les bras, et voilà, là j'ai encore écharpé un voisin. L'atlas en prend plein la gueule. Ah, là il y a mon pote qui passe devant, donc je pourrais pas tirer. Et voilà, on est à 11 à 3. 11 à 3, et donc il n'y en a plus qu'un à trouver. Donc là, ça va être la fête. On va partir à sa recherche. Donc ouais, la grosse difficulté en fait avec les mecs assaut, bah, c'est en fait de réussir à bien se positionner dès le départ. Comme on l'a vu là, mal positionné, le temps de se faire un demi-tour, de revenir, match, la bataille est quasi terminée, quoi. Ça, c'est le gros problème, enfin problème, non, mais c'est la grande chose à prendre en compte quand on utilise un assaut. Donc là, on continue, je continue à regarder, à surveiller sur le côté, voir si j'en vois pas un. Avec un peu de chance, ça va être un commando avec CM, comme ça on le repérera pas. Tout cas, pas facilement. Voilà, donc là, bon, on y va. Ah non, même pas, j'avais dit 57 tout à l'heure. Non, la vitesse maximale, c'est à 52. Il se trouve, 57, c'est quand on a un petit peu de compétence dedans et qu'on réussit à avoir le bonus de vitesse dans les compétences élites. Elle a 52. Et puis, vous voyez, au moindre caillou, au moindre dénivelé, tout de suite, ça chute dramatiquement. Là, hop, on cherche toujours. Là, ils ont tous par là-bas. Moi, je vais recouper avec mon pote de devant. Parce que si on tombe à 2 contre 1, bah, ce sera toujours mieux que de tomber à 1 contre 1. Et je regarde vite fait. Ouais, il nous en manque un. Il nous en manque un qui joue à cache-cache. Alors ça, c'est les petits plaisirs de fin de partie de MechWarrior. Hein, qui s'est planqué dans le trou du cul de la map. Et après, ben, faut réussir à le déloger. Si je me rappelle bien, en plus. Voilà. Hop. Je tourne. Et j'avance. Oui, je suis au taquet. Cherchez pas. Et ah, le voilà, Target le petit acquired. coquin. Il était revenu sur sa base, en fait. Allez, cadeau. Évidemment, je le perds juste au moment où les missiles arrivent. On va essayer de le rechoper. Voilà, et là-bas. Target Catafract. acquired. Allez. Alors, le problème, c'est qu'en plus, là, il y a trop de dénivelé, aucun moyen de monter. Oui, il n'y a pas de jump jet non plus sur les Atlas, hein, faut pas rêver. Donc là sur une carte comme ça, on est quand même super. Voilà, bon là je tire mes missiles dans le mur. Enfin dans les rochers, pas grave. Ah, c'est un PPC bot. Et il est mort. Mais bah voilà, fin de la partie. Bon donc un petit peu mou, hein, forcément. Enfin forcément entre guillemets. Hein. Un petit peu longuette, dû au fait que ben, c'est un Atlas. Allez, salut tout le monde!